C'est bien vrai. Bon, bah, on a dégommé le plat. C'est l'heure de dégommer la boîquette. C'est parti. Il y a grave moyen d'isoler la boîquette. Hein. Et de l'exploser. Peut-être pas first try, mais. Faut que j'arrive à me rapprocher du tofu maléfique. C'est bon, j'ai trouvé comment faire. Et ça. Non, j'ai pas du tout trouvé comment faire. Ou alors je fais ça. Ok, on m'a trouvé. Viens me mettre insoignable, toi. Quel... comment il met insoignable, Tofu Maléfique? Faudrait que je vois. Faudrait que je vois comment ça marche. Un tour sur deux. À 3 P au max. C'est un sort de zone autour de lui. Ok, donc là, il l'a fait une fois et on peut peut-être le retrouver dans le chat. C'est Beko Maléfique. Ça m'a tout l'air d'être Beko Maléfique, son spell. On est insoignable, mais on n'a clairement pas les moyens de one-tap la boarquette maintenant. Laquelle des bombes est le plus usée? On peut essayer de rémission ça. Si je mets une arachnée, je loupe le tchal. La question est vite répondue. En fait, je pense que je vais booster mes bombes jusqu'à ce que Ténèbre meure. Et ensuite, j'aurai de quoi one-shot la boarquette grâce à... Ça m'emmerde. Oh, remarque, ça m'emmerde pas tant que ça. Même peut-être tuer Ténèbres, en vrai. Aider à tuer Ténèbres. Il tape pas encore assez, ou alors je laisse faire encore un peu. Je peux peut-être essayer... Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais commencer à essayer de proc... Le reconce de la boarquette. Qu'elle revienne là. Ok, elle peut taper comme ça. Nice. Lui, il va mourir. On a les bombes 15-15. Et l'autre est trop récente, donc... lui, il meurt. Lui, il va se placer là, il me fait chier. Il faudrait que je puisse... Ah, je sais comment je vais faire. Attendez. Et ça... Ah oui, non, ça ne va pas. Il aurait fallu que je puisse le faire là-bas. Ou alors ça. Ah, c'est pas encore... C'est pas encore comme ça que je vais réussir. Mais en fait, là, si j'avais réussi à aimantation, mais qu'une seule... que les deux, mais qu'une seule ne soit pas attirée...
J'aurais pu, du coup, mettre dans le mur de bombe et faire péter avec le roublabot. Ok. Là, par exemple, je fais ça. Le problème, c'est que eux, ils vont mourir. On essaye déjà de voir s'il y a les dégâts. Oh là 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 là! Ça passe facile en vrai. Oh les dégâts! Ça passe hein! Explosion! Bon bah forcément, hein, le premier n'était pas bien désigné, hein, c'était pas la boarquette, sauf dans le chat. Donc on va faire. En vrai, c'est lui le problème. Non, c'est lui le problème. 1, 2. Vous avez vu la puissance du roublard? Le roublard pour OS, c'est vraiment trop bien. Mec, j'ai des feels de fou. Comme avec le Forge Lance quand j'avais commencé le solo Odyssey. Des feelings de zinzin. Faut que j'attende d'être insoignable, cela dit. Donc du coup, je pense que je vais mourir. Il m'a trouvé du premier coup. Ah, lui, il me touche, hein, je pense. Hein. Insoignable. Ouais. Il a une PO, hein. Ouais. Non, je suis insoignable. Mais par contre, je pourrais plus me rendre insoignable après. Je pense que si je viens à tuer lui, là, c'est foutu après. On peut essayer, à la limite, mais bon. Normalement, on loupe le spécial fatalement parce que, bah, on n'a plus personne pour être insoignable. Oui, un bon roublard, c'est large au-dessus. C'est marqué, les ennemis doivent être achevés que par des combattants dans l'état insoignable. C'est leur devoir. En vrai, si je loupe le spécial à cause de ça, je pourrais pas recommencer le donjon. En vrai, le chat, je fais quoi? J'essaye ou pas? Ça veut dire qu'on va louper le donjon. Hein. Après, en vrai, je vais peut-être juste mourir d'une flèche trouveuse, quoi. S'il faut, je vais juste mourir d'une flèche trouveuse. On va regarder un truc vite fait là. Bork archer. Flèche trouveuse, 8 PO. Il peut pas se booster, il a 8 PO, il a 4 PM. 2, 4, 6, 8, il peut taper jusque là, mais il peut pas taper ici. Donc du coup, moi, je peux très bien décider de faire bot. Attirer. On recule quand même de 1 parce que bon, bah, acquis de conscience. Donc maintenant, je me demande, les bombes, quand elles explosent, elles sont elles-mêmes leur propre entité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que là, le blabot n'est pas insoignable, les bombes ne sont pas insoignables,
Et le spécial, c'est « Les ennemis ne doivent être achevés que par des combattants dans l'état insoignable ». Est-ce que ça va faire comme pour quand tu tues avec une invoque et pas louper le challenge? Est-ce que les bombes, ou est-ce que ça sera moi? Je sais pas. En fait, je pense que c'est une très mauvaise idée ce que je vais faire. Et que je vais louper le spécial, mais au moins... Oh! On n'avait pas besoin d'être insoignable si on explosait avec les bombes.